va pas. Oh, je n'ai pas de royaume. Pas de royaume? Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis un lion, et un lion doit être roi. Roi de la forêt. Voilà ce qu'un lion doit être. Je n'ai pas de royaume, pas de château, et je n'ai pas de couronne. Pas de château, pas de couronne, pas de royaume. C'est la plus grosse bêtise que j'ai entendue aujourd'hui. Ne sais-tu pas qu'il existe un royaume pour chacun d'entre nous? Chacun d'entre nous? Eh oui, pour chacun d'entre nous. Comment vais-je trouver le mien? Cherche, écoute et regarde. Apprends à lire. Et où que tu ailles, suis la route de la lecture. Un voyage au pays de la lecture? Oh, voilà une formidable aventure pour moi. Je suis Lapin Malin. Et moi, je m'appelle Sam. Je suis Sam. Je suis Mimi la souris. Et voici Top, mon tableau des options. Il conserve la trace de tout ce que tu fais au cours de ton voyage au pays de la lecture. Et sur la route des histoires et des mots, c'est un voyage vers la lecture. Regarde bien, on va s'amuser, suivons la route de la lecture. Quel est ton nom? Tape ton nom. L-I-N-G. Suis la route parsemée de livres et lis les histoires. Joue dans la maison de jeu et apprends de nouveaux mots tout au long de ce voyage au pays de la lecture. S pour la fontaine de sirop. Je vois des choses commençant par S. Un singe, un saxophone, une souris, deux oiseaux aspirant du sirop de fruits. Peux-tu trouver d'autres mots avec S? Le saxophone. Super, super, super! Bonjour, je suis Nani Toucani. Et voici un mot poussin. Prononçons donc quelques mots. Dis le mot A. Clique. A. Dis le mot je. Je. Dis le mot Sam. Sam. Jouons à un autre jeu avec les mots poussins. Construisons donc quelques mots. Clique sur les œufs pour jouer. Que. Quoi. Quoi. V. Quoi. Voix. J. Joie. Joie. S. E. Se. Ne sont-ils pas adorables? M. E. Me. Faites fondre. Maintenant, jouons avec les mots et trouvons les poussins. Clique sur le mot suis. Suis. Clique sur le mot regarde. Regarde. Clique sur le mot moi. Moi. Clique sur le mot
Sam. Sam. Clique sur le mot voir. Voir. Clique sur le mot A. A. Félicitations et à très bientôt. La sauterelle. Super, super, super. Aspirez. L'oiseau aspire le sirop. Du sirop. Salut, je suis Fred le singe. Salut, je suis Fred le singe. Salut, je suis Fred le singe. Les soucis ont bien des soucis. Le titre du livre 1 est Regarde ce livre. Dans cette histoire, Mimi montre un livre à Sam. Lis ces mots importants avec moi. Je. Sam. Livre. Regarde. Tu vois, tu peux t'écouter lire les mots. Clique sur le microphone et dis les mots. Puis clique sur le bouton Écouter pour entendre ta voix. Maintenant, tu n'as plus qu'à essayer. Je vois, je vois. Je vois Sam. Regarde Sam, regarde. Regarde ce livre. Tu vois, tu vois, tu vois. Je vois. Je me vois. Je vois Sam. Je vois Sam. Le titre du livre 2 est Regarde ce trou. Dans ce livre, Sam tombe dans un trou. Lis ces mots importants avec moi. Se. Regarde. Vois. Trou. Je vois Sam. Je vois un livre. Je vois un trou. Regarde Sam, regarde. Regarde ce trou. Regarde-moi. Je vois, je vois. Je vois Sam. Je vois un livre. Je vois Sam. Le vois-tu? Le saxophone. Allons voir où nous nous trouvons. S pour la fontaine de sirop. Nous voici Sam, Mimi et moi, lapin malin. Fred le macaque joue de la mandoline. Vois-tu le manège à musique enfantine et tous les autres mots avec M comme moulin? Le moulin. Le manège à musique, oui! Musique. Un mégaphone. Je joue de la mandoline.
Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Jouons ensemble au dévore-mots. Dis le mot... Ce. Ce. Dis le mot... Regarde. Regarde. Dis le mot... Mimi. Mimi. Salut, je suis Ben, et voici ma fanfare. Hé, mais où sont vos instruments? Je n'ai pas d'instruments, et toi? Je n'en ai pas. En as-tu un? Non. Pour trouver un instrument et rejoindre la fanfare, lis cette phrase. Regarde ce... Hé, il manque un mot. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Livre. Regarde ce livre. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Trou. Ça met dans ce trou. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Sam. Mimi est furieuse contre Sam. Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Trouve les mots et ainsi tu aideras la fanfare des fourmis. Dévore les mots qui se prononcent... Je. Je. Oh oui! Je. Croque encore. Je. Youpi! Dévore les mots qui se prononcent... Livre. Livre. Merveilleux. Livre. Croque encore. Livre. Youpi! Clique sur le mot... Rencontre. Rencontre. Ouah! Rencontre. Oui! Rencontre. Youpi! Étonnant! Le titre du livre 3 est « Regarde-moi ». Dans cette histoire, Sam est furieux contre Mimi. Lis ces mots importants avec moi. Moi, Mimi, suis, c'est. Sam! 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 Sam? Sam? Je suis Sam, c'est moi, c'est moi! Je suis Mimi! Sam, regarde-moi! Sam, regarde! Me vois-tu? Me vois-tu? Je suis Mimi! Regarde-moi! Regarde-moi! Sam, regarde-moi! Je suis Sam, regarde-moi! Le titre du livre 4 est « Ce n'est pas Sam ». Dans ce livre, Mimi est furieuse contre Sam. Lis ces mots importants avec moi. Ce est ne pas Mimi. Je suis Mimi. Regarde-moi. Regarde Mimi. Regarde Sam. Sam, regarde. Regarde. Ce n'est pas Sam, je vois Mimi. Regarde-moi. Vois-tu Mimi? Vois-tu Sam?
regarde, Mimi. Je vois Mimi. Regarde, Mimi. Regarde, Sam. Voilà la maison des amis. Trouveras-tu les objets, ma foi, qui contiennent A dans leur écriture? Je vis d'amour et d'amitié. Attention, j'arrose. Attention, j'arrose. Nous sommes les jacinthes. A comme dans cheval. A comme dans marteau. Quelle aventure! Voilà la maison des amis. Trouveras-tu les objets, ma foi, qui contiennent A dans leur écriture? Oula! Je suis Fred le singe. Veux-tu m'aider à ramasser des glands en prononçant des mots? Dis le mot... Cise. Clique sur le mot... Cise. Cise. Dis le mot... Fred. Clique sur le mot... Fred. Fred. Dis le mot... Rencontre. Clique sur le mot... Rencontre. Rencontre. Regarde donc toutes ces cacahuètes. Nous allons trier ces cacahuètes d'une façon particulière. Clique sur le gros gland si le mot se termine par... A. Comme dans... Rat. Clique sur la poubelle si le mot se prononce différemment. Rat, chat, chocolat, plat. Ah oui! Oula! Tout est en désordre. Peux-tu m'aider à ramasser des glands? Clique sur le mot... Ce. Ce. Clique sur le mot... Mimi. Mimi. Clique sur le mot... Ombre. Ombre. Clique sur le mot... Trou. Trou. Clique sur le mot... Clique sur le mot ne. Ne. Merci pour ton aide. Le titre du livre 5 est Sis, Mimi, Fred et Sam. Dans cette histoire, Mimi apprend des choses à Sis, Sam et Fred. Lis ces mots importants avec moi. Suis. Mimi. Fred. Sis. Je suis Mimi. Je vois Sis. Regarde-moi. Je suis Sis. Je suis Sam. Regarde, Fred.
Je suis Fred. Regarde Mimi. Regarde Sam. Regarde Cise. Regarde Fred. Sam, Sam, je vois Sam. Fred, Fred, je vois Fred. Cise, je suis Cise. Regarde-moi. Regarde Fred. Regarde Sam. Regarde Cise. Regarde Sam. Regarde Fred. Regarde Mimi. Le titre du livre 6 est Sam rencontre Cise. C'est l'histoire d'un lion qui dort. Laissez-moi un portant avec moi. Voici. Bonjour, Fred. Cise. Regarde Sam. Regarde Fred. Bonjour Sam. Je suis Fred. Bonjour Cise. Je suis Fred. Cise, voici Sam. Sam, Sam, voici Cise. Bouh. Sam, voici Cise. Je suis Sam. Sam, voici Cise. Cise, voici Sam. Regarde Sam, regarde Cise. La tortue joue du tuba, l'arbre boit du thé. Sur la table est gravée une lettre. As-tu deviné ce qu'elle peut bien être? Bien sûr, c'est le thé qu'il te faut trouver. Arrête de me chatouiller. Une tarte tatin. Attention, la tente tombe. Il est temps de boire le thé. Bienvenue à Poissonville. Je suis Floc le poisson, ton ami. J'ai faim. Oh oui. Dis le mot ombre. Ombre. Gloom. Oh oui. Dis le mot le. Le. Gloom. Oh oui. Dis le mot dent. Dent. Gloom. Oh oui. Ah. Oh non. Et voici la course des escargots. Vous êtes prêts? Et on dit oui. À vos marques, prêts? Clique sur les mots pour faire avancer les escargots. Le mot est... Fred. Fred. Oh ouais! Le mot est... Pomme. Pomme. Bien joué! Le mot est... Cise. Cise. Oh ouais! Le mot est... Le.
Le. Bon travail. Le mot est... Dent. Dent. Bon travail. Le mot est... Sera. Sera. Oh ouais. Le mot est... Le. Le. Oh ouais. Le mot est... Tronc. Tronc. Oh ouais. Le mot est... Sûr. Sûr. Oh ouais. Le mot est... Soleil. Soleil. Oh ouais. Le mot est... Ombre. Ombre. Oh ouais. Le mot est... Suis. Suis. Oh ouais. Le mot est... Ah. Ah. Tu as gagné. Hey, toi le lecteur, tu es prêt? Je ne t'entends pas. Oh! Attrape le mot... Ne. Ne. Glon. Attrape le mot... Se. Se. Glon. Attrape le mot... Tron. Tron. Glon. Bon travail. Oh non. Le titre du livre 8 est... Le titre du livre 7 est « Je ne suis pas une ombre ». Dans ce livre, Mimi et Fred voient une ombre et le soleil. Lis ces mots importants avec moi. Ombre. Soleil. Le. Billy. Regarde Mimi. Regarde Fred. Regarde le soleil. Mimi, regarde le soleil. Fred voit l'ombre. Mimi voit l'ombre. Fred, regarde-moi dans l'ombre. Regarde Fred dans l'ombre. Regarde Mimi dans l'ombre. Mimi, regarde le soleil. Je le vois. Fred, regarde. Je ne suis pas une ombre, je suis Billy. Regarde Fred, regarde Mimi, regarde Billy. Le titre du livre 8 est « Cise voit la pomme ». C'est l'histoire de Cise qui veut manger une pomme. Lis ces mots importants avec moi. Sur. Pomme. Tronc. Est. Fred rencontre Cise. Cise voit Fred. Yum, 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 yum. Cise voit la pomme. Fred est dans le tronc. Fred est sur le tronc. Cise est dans le tronc. Je vois Cise dans le tronc. Fred, Fred. Fred est sur le tronc. Cise est dans le tronc. Fred est assis sur le tronc. Cise est assise sur le tronc. Yum, 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 yum. Terrible. Oh.
savoir à lire et va dans la maison de jeu pour jouer, tu as bien travaillé. Tu as franchi une porte vers de nouvelles aventures au cours de ce voyage au pays de la lecture. F pour la forêt des fées. Dans la forêt formidable des elfes, vivent les fées et les fougères. Les flamands y jouent de la flûte légère. Et toi, repère vite où se cachent les F. Les fraises. Les flamands jouent de la flûte. Les fleurs. Les fées font la fête. Salut, Poussin! Prononçons donc quelques mots. Dis le mot « asseoir ». Clique sur le mot « asseoir ». Asseoir. Dis le mot « chapeau ». Clique sur le mot « chapeau ». Chapeau. Dis le mot « radeau ». Radeau. Jouons à un autre jeu avec les mots poussins. Réunissons quelques sons pour former de nouveaux mots. Clique sur les œufs pour jouer. Voix. Là. Voilà. Lit. Là. Lila. Où? Où? Ne sont-ils pas adorables? Tr. Où? Trou. Que? Où? Cou. Maintenant, jouons avec les mots et trouvons les poussins. Clique sur le mot courir. Courir. Clique sur le mot se. Se. Clique sur le mot assis. Assis. Clique sur le mot Annie. Annie. Clique sur le mot radeau. Radeau. Clique sur le mot tombe. Tombe. Clique sur le mot chapeau. Chapeau. Félicitations et à très bientôt. Le titre du livre 9 est Le radeau de Mimi. Dans cette histoire, Mimi est furieuse à propos d'un radeau. Lis ces mots importants avec moi. Tombe. Assis. Assois. Radeau. Je vois un radeau. Regarde, Mimi. Regarde le radeau. Mimi s'assoit sur le radeau. Regarde-moi. Je m'assois sur le radeau. Mimi tombe. Sam tombe. Regarde, Mimi. Regarde.
Non, Mimi, c'est moi. Mimi tombe. Sam tombe. Je suis Sam. Je suis assis sur le radeau. Mimi, assieds-toi sur moi. Sam est assis sur le radeau. Mimi est assise sur Sam. Le titre du livre 10 est « Le chapeau tombe sur Mimi ». Dans ce livre, Sam et ses amis jouent à cache-cache. Lis ces mots importants avec moi. Dans Annie Chapeau Cours. Cise, voici Annie. Tu vois le chapeau? Cise, assieds-toi dedans. Cise est dans le chapeau. Regarde, Cise est assise dans le chapeau. Le chapeau tombe. Le chapeau tombe sur Mimi. Le chapeau est sur Mimi. Sam court. Cise court. Fred court. Sam, Cise, Fred, Annie, le chapeau est sur moi. Est-ce que c'est Cise? Est-ce que c'est Fred? C'est Annie! C'est Annie! Dinosaure Rock! Dinosaure Rock! Combien de dinos dans le décor? Dessus, dessous, devant, dehors. Trouve les mots en D dans ce stock. Un diamant. Un diamant. La danse des jonquilles. Le dinosaure cherche des diamants. Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Jouons ensemble au dévore-mots. Dis le mot... Nani. Nani. Dis le mot... Ce. Ce. Dis le mot... Autobus. Autobus. Salut, je suis Ben, et voici ma fanfare. Hé, mais où sont vos instruments? Je n'ai pas d'instrument, et toi? Je n'en ai pas. En as-tu un? Non. Pour trouver un instrument et rejoindre la fanfare, lis cette phrase. Regarde ce... Hé, il manque un mot. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Bonhomme. Regarde ce bonhomme. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Pomme. Bill voilà pomme. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Désordre. La cabane est en désordre. Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Trouve les mots et ainsi tu aideras la fanfare des fourmis. Clique sur le mot est. Est. Oh oui! Est. Oh oui! Est. Ouah! Clique sur le mot non. Non. Oh oui! Non. Oui. Non. Merveilleux. Dévore les mots qui se prononcent sur. Sur. Youpi. Sur.
croque encore. Sûr. Oh oui. Tu es le meilleur. Le titre du livre 11 est « Le chapeau d'Annie ». C'est l'histoire d'un chapeau qui tombe d'un arbre. Lis ces mots importants avec moi. Sur et Annie. Nanny. Annie est assise. Fred et Nanny sont assis. Regarde, Nanny, regarde ça. Nanny et Fred voient le chapeau. Nanny, regarde ce chapeau sur moi. Nanny est dans le chapeau. Nanny et Fred voient Annie. Oula! Annie, regarde ce chapeau. Le chapeau est sur moi. Annie et Fred et Nanny sont assis. Le titre du livre 12 est « Un bonhomme de neige ». Dans cette histoire, un bonhomme de neige a un drôle de chapeau. Lis ces mots importants avec moi. Chapeau, bonhomme, neige, peau. Nanny voit Fred. Regarde le bonhomme de neige. Regarde, regarde ça sur le bonhomme de neige. Fred voit Nanny et le bonhomme de neige. Regarde le chapeau sur le bonhomme de neige. Je vois Fred et Nanny. Je vois le chapeau sur le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige voit le chapeau sur moi. Regarde ce pot, c'est un chapeau. Fred et Nanny voient le pot. Le pot est sur le bonhomme de neige. Dans l'usine des mots en U, tout ce qui se fabrique est utile. Depuis la chute d'eau jusqu'aux tuiles, retrouve tout ce qui peut contenir U. La chute d'eau. L'usine à mots. Fais un unique vœu dans le puits. Dans l'usine des mots en U, tout ce qui se fabrique est utile. Depuis la chute... Oula! Je suis Fred le singe. Veux-tu m'aider à ramasser des glands en prononçant des mots? Dis le mot... Que. Clique sur le mot... Que. Que. Dis le mot... Furieux. Clique sur le mot... Furieux. Furieux. Dis le mot... Ailleurs. Clique sur le mot... Ailleurs. Ailleurs. Oula! Regarde donc toutes ces cacahuètes. Nous allons trier ces cacahuètes d'une façon particulière. Clique sur le gros gland si le mot se termine par ou comme dans fou. Mm-hmm.
Fou, chou, pou, cou. Ah oui! Oh zut! Qu'est-ce qui se cache là? Essayons de nous y retrouver. Clique sur le mot asseoir. Asseoir. Clique sur le mot et. Et. Ah oui! Clique sur le mot Mimi. Mimi. Clique sur le mot rencontrer. Rencontrer. Clique sur le mot ailleurs. Ailleurs. Clique sur le mot vert. Vert. Merci pour ton aide. Le titre du livre 13 est « Le masque ». Dans ce livre, Fred Takinsam lit ses mots importants avec moi. Furieux. Non. Ceci. Maintenant. Regarde Fred, regarde ce masque. Regarde le masque sur moi. Maintenant, je suis Sam. Six, regarde le masque. Wow! Est-ce que c'est Sam? Wow! Je suis Sam. Regarde-moi. Regarde-moi. Wow! Non, je suis Sam. Lui, c'est Fred. Je suis furieux. Ceci est un masque. Sam est furieux contre Fred. Fred est furieux. Maintenant, le masque est sur Sam. Oula! C'est Sam. Le titre du livre 14 est Bill et la pomme. C'est l'histoire de Mimi qui joue un tour à Bill le cheval. Lis ces mots importants avec moi. Furieux. Bill. Pomme. Rencontre. Mimi rencontre Bill. Je suis Mimi. Bill, tu me vois? Bill, regarde Mimi s'asseoir. Regarde ça! Bill est furieux contre Mimi! Est-ce que Mimi est furieuse contre moi?
Bill, regarde cette pomme. Yum, 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 yum. Mimi est assise sur Bill. Bill regarde la pomme. Yum, 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 yum. Regarde Bill. Regarde Mimi. Bill, Mimi. Mimi est furieuse contre Bill. Est-ce que Bill est furieux? C'est l'heure du bain pour les bébés. Qui veut faire des bulles dans le bassin? Viens barboter avec les oursons, tes copains. La lettre B est de notre jeu l'objet. Bienvenue à Poissonville. Je suis Floc le poisson, ton ami. J'ai faim. Oh oui! Dis le mot trou. Clique sur le mot trou. Trou. Glon. Oh oui! Dis le mot nous. Nous. Glon. Oh oui! Dis le mot sera. Sera. Glon. Oh oui! Ah! Et voici la course des escargots. Vous êtes prêts? Et on dit oui! À vos marques, prêts? Clique sur les mots pour faire avancer les escargots. Le mot est... furieux. Furieux. Bon travail! Le mot est... nous. Nous. Oh ouais! Le mot est... nanny. Nanny. Bon travail! Le mot est... saut. Saut. Bon travail! Le mot est... Bill. Bill. Oh ouais! Le mot est... neige. Neige. Bien joué! Le mot est... le. Le. Tu as gagné! Et toi le lecteur, tu es prêt? Je ne t'entends pas. Oh! Attrape le mot... masque. Masque. Glon. Oh! Attrape le mot... désordre. Désordre. Glon. Oh! Attrape le mot... Fred. Fred. Glon. Bon travail! Oh non! Baba! Bou! Le ballon. Le titre du livre 15 est « S'asseoir dans le trou ». Dans cette histoire, les amis de Sam sont assis dans de drôles d'endroits. Lis ces mots importants avec moi. Nous. Asseoir. Avec. Arbre.
Nous sommes assis sur le radeau. Nous regardons Cise. Est-ce que Cise va s'asseoir dans ce trou? Nous voyons Cise dans le trou. Est-ce que Mimi va s'asseoir avec Cise? Je vois ce trou. Je vais m'y asseoir. Venez vous asseoir avec moi. Je suis dans le trou. Venez vous asseoir avec moi dans le trou. Nous voyons cet arbre. Fred va aller s'asseoir dans cet arbre. Mimi, viens t'asseoir avec moi. Je vais m'asseoir dans ce trou. Annie, viens t'asseoir avec moi. Annie regarde Mimi. Annie regarde le radeau. Annie et Mimi sont assises dans le trou. Le titre du livre 16 est « La cabane est en désordre ». Dans ce livre, Bill met tout en désordre. Lis ces mots importants avec moi. Désordre avec cabane tombe. Nous allons nous asseoir dans cette cabane. Nanny est assise dans la cabane avec Mimi. Fred est assis avec Nanny et Mimi. Cise va-t-elle s'asseoir avec eux? Nous sommes assis dans la cabane. Bill va-t-il s'asseoir dans la cabane? Bill tombe. Fred et Mimi tombent sur Bill. Tout est en désordre. Cise et Nanny tombent aussi sur Bill. Nous sommes tombés. Regarde tout ce désordre. La cabane est en désordre. Regarde Bill avec la cabane. Nous sommes assis dans la cabane. Bébé, bye bye. Suis la route des histoires à lire et va dans la maison de jeu pour jouer. Tu as bien travaillé. Tu as franchi une porte vers de nouvelles aventures au cours de ce voyage au pays de la lecture. R pour la reine des roses. Vive le roi, vive la reine qui passe sous les roses. À toi de retrouver, si tu l'oses, les mots en R de cette scène. Le roi et la reine. Oh, les belles roses. Le renard est rusé. Le radis. Le robot. Salut les poussins! Prononçons donc quelques mots. Dis le mot que. Que. Dis le mot lait. Lait. Dis le mot avec. Clique sur le mot avec. Avec. Jouons à un autre jeu avec les mots poussins. Réunissons quelques sons pour former de nouveaux mots. Clique sur les œufs pour jouer. Four. Mi. Fourmi. Coup. Rire.
dire. Mi. Mi. Mimi. Ne sont-ils pas adorables? Li. Vre. Livre. Gros. Maintenant, jouons avec les mots et trouvons les poussins. Clique sur le mot soleil. Soleil. Clique sur le mot lait. Lait. Clique sur le mot pied. Pied. Clique sur le mot fourmi. Fourmi. Clique sur le mot drôle. Drôle. Clique sur le mot nous. Nous. Félicitations et à très bientôt. Le titre du livre 17 est Les fourmis au soleil. C'est l'histoire de Mimi et de Cise qui sont embêtés par des fourmis. Lis ces mots importants avec moi. Fourmis. Lait. Nous. Quel. Mimi voit le soleil. Je vais m'asseoir au soleil. Cise, viens t'asseoir avec moi au soleil. Regarde-nous au soleil. Yum, 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 yum. Regarde les fourmis. Est-ce que Cise et Mimi vont les voir? Yum, 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 yum. Qu'est-ce qu'il y a sur nous? Cise, regarde les fourmis. Je suis furieuse contre elles. Quel désordre! Regarde les fourmis! Regarde-les! Maintenant, regarde les fourmis avec nous au soleil. Le titre du livre 18 est Des pieds dans un arbre. Dans cette histoire, femme voit des pieds dans un arbre. Lis ces mots importants avec moi. Pied. Amusant. Courir. Arbre. Regarde les pieds. Regarde-moi courir avec eux. C'est amusant. Je vois Sam. Regarde-moi. Regarde les pieds. Regarde les pieds dans l'arbre. Ah, c'est amusant de courir. Cise, regarde-moi courir. C'est amusant. Qu'est-ce que c'est? Sam et Cise, regarde les pieds. Fred est tombé avec les pieds. Regarde-nous avec les pieds. Nous courons sous le soleil. C'est amusant. Au pays des caramels et des croissants, tourne, me croiras-tu, le carrousel des cadeaux. Les mots en C, canne, caneton et même crapaud ont le droit, comme toi, de monter dedans. Coin, coin, coin. Coin, coin, coin. La canne et ses canetons. Au pays des caramels et des croissants, tourne, me croiras-tu, le carrousel des cadeaux. Les mots en C, canne, caneton et même crapaud ont le droit, comme toi, de monter dedans.
Les croissants. Le carrousel des cadeaux. Le crapaud. Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Jouons ensemble au dévore-mots. Dis le mot... Puis. Puis. Dis le mot... Besoin. Besoin. Dis le mot... Laissez. Laissez. Salut, je suis Ben, et voici ma fanfare. Hé, hey, mais où sont vos instruments? Je n'ai pas d'instrument, et toi? Je n'en ai pas. En as-tu un? Non. Pour trouver un instrument et rejoindre la fanfare, lis cette phrase. Femme et six voilets. Hé, hey, il manque un mot. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Pied. Femme et six voilets, pied. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Drap. Zap, ferme-le. Drap. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Drap. Annie voit la boue sur le drap. Es-tu prêt à jouer avec les mots? Trouve les mots et ainsi tu aideras la fanfare des fourmis. Clique sur le mot ailleurs. Ailleurs. Délicieux. Mmh. Ailleurs. Croque encore. Ailleurs. Ouah! Clique sur le mot que. Que. Délicieux. Que. Oh oui. Que. Délicieux. Clique sur le mot courir. Courir. Merveilleux. Courir. Croque encore. Courir. Merveilleux. Le titre du livre 19 est Zap, Annie et les pommes. Dans cette histoire, Annie et Zap vont cueillir des pommes. Lis ces mots importants avec moi. Travailler. Zap. Laisse-moi. Ramasse. Regarde les pommes. Laisse-moi les prendre. Allez. Laisse-moi voir ce seau. Zap, regarde! Annie secoue l'arbre. Zap ramasse les pommes. Nous avons bien travaillé. Regarde les pommes dans le seau. Zap, laisse-moi faire. Zap, nous avons bien travaillé. Annie, regarde. Regarde les pommes maintenant. Zap et Annie ont bien travaillé. Yum, 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 yum. Le titre du livre 20 est Cise a besoin d'un seau. C'est l'histoire de Cise et d'un puits. Lis ces mots importants avec moi. Zap. Besoin. Puis, seau. Je suis Cise. Regarde-moi sur le puits. Cise est tombée dans le puits. Zap, Zap, regarde-moi dans le puits. Cise est tombée dans le puits. Elle a besoin de moi. Billy voit
Billy voit Zap. Je vois Cise. Elle a besoin de nous. Nous avons besoin d'Annie. Cise est dans le puits. Je vois Cise. Elle a besoin de nous. Cise a besoin de ce seau. Cise, Cise, elle est dans le seau. Attention, le train arrive en gare. Trouveras-tu le trésor? Cherche dans le décor les mots dont tr est le départ. Le train arrive en gare. Le triangle. Trouville, tout le monde de dessin. Tiens, un ticket pour le train. Un trio de trompettes et de trombones. Oh là! Je suis Fred le singe. Veux-tu m'aider à ramasser des glands en prononçant des mots? Dis le mot... Filet. Filet. Dis le mot... Triste. Clique sur le mot... Triste. Triste. Dis le mot... Avoir. Clique sur le mot... Avoir. Avoir. Zut! Regarde donc toutes ces cacahuètes. Nous allons trier ces cacahuètes d'une façon particulière. Clique sur le gros gland si le mot se termine par O, comme dans beau. Peux-tu m'aider à ramasser des glands? Clique sur le mot... Avec. Avec. Ah oui! Clique sur le mot... Pomme. Pomme. Clique sur le mot... Courir. Courir. Clique sur le mot remplir. Remplir. Clique sur le mot filet. Filet. Clique sur le mot faire. Faire. Merci pour ton aide. Le titre du livre 21 est « Annie a besoin d'un filet ». Dans cette histoire, Annie a besoin d'un filet pour sauver Mimi. Lis ces mots importants avec moi. Poisson. Filet. Triste. Besoin. Est-ce que j'en ai besoin? Oui. Mimi court et le tient dans la main. Non, Mimi, non. Est-ce qu'Annie va me voir?
Non. Mimi, j'ai besoin de ce filet pour attraper Mimi. Annie a-t-elle besoin de ce poisson? Non. Ai-je besoin de ce poisson? Non, j'ai besoin de Mimi. Je suis triste. J'ai besoin de ce filet et j'ai besoin de Mimi. Je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a dans le filet? Ce n'est pas drôle. Mimi est assise dans le filet. Annie est-elle toujours triste? Non. Le titre du livre 22 est « Le drap est sur Zap ». Dans ce livre, Zap est furieux. Lis ces mots importants avec moi. Fermé. Drap. Caché. Apporte. Zap, tu vois ce drap? Nous allons nous cacher dedans. Zap, ferme le drap. Fred va me voir. Laissez-moi entrer dans le drap. J'apporte des bananes. Fred court se cacher dans le drap. Zap ferme le drap sur Fred. Laissez-moi entrer dans le drap. J'apporte des gâteaux. Yum, 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 yum. Laissez-moi entrer dans le drap avec Nanny et Fred. J'apporte du lait. Yum, 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 yum. Zap, pourra-t-il fermer le drap? Le drap tombe. Tout est en désordre. Zap est triste. Nous mangeons des bananes et des gâteaux. Nous buvons du lait. Le drap est sur Zap. Zap dort. La nuit tombe sur Nigoville. N est la lettre des objets à trouver. Clique et tu seras bien étonné de voir que ce n'est pas bien difficile. Les narcisses. 9 nez de Nigo. 9 nez de Nigo. Nouvelle fraîche. Nouvelle fraîche. Le nid. Le nénuphar. Bienvenue à Poissonville. Je suis Floc le poisson, ton ami. J'ai faim. Oh oui. Dis le mot. Crayon. Crayon. Glon. Oh oui. Dis le mot. Saut. Saut. Glon. Oh oui. Dis le mot. Le. Le. Glon. Oh oui. Ah. Et voici la course des escargots. Vous êtes prêts? Et on dit oui! À vos marques, prêts? Clique sur les mots pour faire avancer les escargots. Le mot est... Avoir. Avoir. Bon travail! Le mot est... Drap. Drap. Bien joué! Le mot est... Bou. Bou. Oh ouais! Le mot est... Crayon. Crayon. Bon travail! Le mot est... Triste. Triste. Bon travail! Le mot est... Zap. Zap. Oh ouais! Le mot est... Sable. Sable. Oh ouais! Le mot est... Laissez. Laissez. Bon travail! Le mot est... Besoin. Besoin.
Bon travail! Le mot est... Oui, oui. Bien joué! Le mot est... Poisson, poisson. Bien joué! Le mot est... Saut, saut. Oh ouais! Le mot est... Puis, puis. Bon travail! Le mot est... Elle, elle. Tu as gagné! Hé, toi le lecteur, tu es prêt? Je ne t'entends pas! Oh! Attrape le mot... Fermé, fermé. Gloom. Oh! Attrape le mot... Coquille, coquille. Gloom. Oh! Attrape le mot... Vert, vert. Gloom. Bon travail! Oh non! Le titre du livre 23 est « Le saut debout de Mimi ». Dans ce livre, Annie est furieuse quand Mimi est méchante. Laissez-moi un portant avec moi. Enferme. Bou. Qui. Cage. Mimi voit Annie. Mimi voit les draps. Mimi remplit les seaux avec de la boue. Regarde cette boue sur le drap. Quel désordre! Qui a fait ça? C'est Fred qui l'a fait, Annie. Enferme Fred dans la cage. Annie enferme Fred dans la cage. Annie est furieuse. Fred est furieux contre Mimi. Mimi a sali le drap avec la boue. Quel désordre! Qui a fait ça? C'est Zap qui l'a fait, Annie. Annie, tu vois la boue? Tu vois les pieds? C'est Mimi qui l'a fait. Annie enferme Mimi dans la cage. Mimi est triste. Le titre du livre 24 est « Coquillage, sable et pommes ». Dans cette histoire, Mimi joue un tour à Fred et Sam. Laissez-moi un portant avec moi. Sable, vent, coquillage, pommes. Sam et Fred voient un coquillage sur le sable. Fred prend le coquillage. Sam est furieux. Sam remplit le seau avec du sable. Regarde ce sable, je le vends. Mimi, Mimi, regarde-moi, je vends du sable. Mimi, Mimi, regarde-moi, je vends un coquillage. Mimi court avec le seau. Je vends des pommes. Laisse-moi voir les pommes. Regarde Sam et Fred avec les pommes. Regarde Mimi qui court. Maintenant, je vends le coquillage et le sable. Suis la route des histoires à lire et va dans la maison de jeu pour jouer. Tu as bien travaillé. Tu as franchi une porte vers de nouvelles aventures au cours de ce voyage au pays de la lecture. G pour GG le golfeur. Un joueur de golf sous les grappes. Cette fois, c'est le G qu'il te faut agripper. Foie de grenouille, tu vas y arriver. Rappelle-toi, c'est le G que tu attrapes. Gris, gris la grenouille.
GG le golfeur. La guêpe. Veux-tu goûter les gâteaux? Un gâteau. Un gâteau. La vigne donne des grappes de raisin. Salut les poussins! Prononçons donc quelques mots. Dis le mot. Alors. Alors. Dis le mot. Poisson. Clique sur... Poisson. Dis le mot. Courir. Courir. Jouons à un autre jeu avec les mots poussins. Réunissons quelques sons pour former de nouveaux mots. Clique sur les œufs pour jouer. Pied. Pied. Tra. C. Tracé. Ne sont-ils pas adorables? Et clair. Éclair. Ton B. Tombé. Est. Les. Maintenant, jouons avec les mots et trouvons les poussins. Clique sur le mot pomme. Pomme. Clique sur le mot puits. Puits. Clique sur le mot le. Le. Clique sur le mot alors. Alors. Clique sur le mot sera. Sera. Clique sur le mot avec. Avec. Félicitations et à très bientôt. GG le golfeur. Le titre du livre 25 est « Mimi s'assoit sur un poisson ». Dans cette histoire, un poisson sauve Mimi. Lis ces mots importants avec moi. Poisson. S'assoit. Puis. Bien. Mimi voit un chapeau. Elle voit le poisson. Mimi court avec le chapeau. Puis elle court avec le drap. J'ai besoin du drap et du chapeau. Puis elle s'assoit dans le chapeau. Poisson, tu me vois dans ce chapeau? Regarde-moi avec ce drap. Puis Mimi tombe. Le poisson a vu Mimi. Mimi s'assoit sur le poisson. Ouah! Puis elle s'assoit sur le sable. Nous voyons que Mimi va bien. Nous voyons le chapeau sur le poisson. Le titre du livre 26 est « Mimi et la noix ». Dans ce livre, Mimi utilise une noix pour faire peur à Sam. Lis ces mots importants avec moi. Noix. Mais. Enferme. Mi. Mimi met la noix sur le sable, puis elle court. Qu'est-ce qu'il y a dans la noix? Je vais voir. C'est amusant, j'ai réussi.
pas vu Mimi? Non, Mimi est dans la noix. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai mis la noix sur moi. Sam met Mimi dans la noix. J'enferme Mimi dans la noix. Je suis dans la noix. Oh! Place, place, voici le printemps. C'est la polka des lampions. Pim, pam, poum, super champion. Trouve les mots avec un P devant. La polka des petits chiens. Le papillon. Le pivert pique l'écorce. Le pétunia. La pierre au bord du chemin. Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Jouons ensemble au dévore-mots. Dis le mot... Sentir. Sentir. Dis le mot... Mince. Mince. Dis le mot... Gagner. Gagner. Salut, je suis Ben, et voici ma fanfare. Hé, hey, mais où sont vos instruments? Je n'ai pas d'instrument, et toi? Je n'en ai pas. En as-tu un? Non. Pour trouver un instrument et rejoindre la fanfare, lis cette phrase. Le chapeau est sur le... Hé, il manque un mot. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Poisson. Le chapeau est sur le poisson. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Tombe. Mimi, Annie, Fred et Sam tombent. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Neige. Mimi frappe Fred avec de la neige. Es-tu prêt à jouer avec les mots? Trouve les mots et ainsi tu aideras la fanfare des fourmis. Clique sur le mot... Fermé. Fermé. Oh oui! Fermé. Ouh oui! Fermé. Youpi! Clique sur le mot... Être. Être. Ouah! Être. Miam, 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 miam. Être. Youpi! Dévore les mots qui se prononcent... Gros. Gros. Youpi! Gros. Miam, 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 miam. Gros. On s'amuse bien ensemble. Le titre du livre 27 est « Regarde, plus de tâches ». Dans cette histoire, Six se retrouve avec de drôles de tâches. Lis ces mots importants avec moi. Désordre, plus, bien, tâche. Six voit Mimi. Mimi, tout est en désordre. Tu vois ça? J'ai réussi. Regarde toutes ces tâches. Je ne vais pas bien. Regardez-moi. Je ne vais pas bien. Je suis triste. Six ne va pas bien. Allons chercher Billy.
Vois-tu ces taches? Je suis triste. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce que c'est que cette tache sur le chapeau? Regarde, plus de taches. Regarde-moi, plus de taches. Je vais bien. Le titre du livre 28 est « Le poisson qui devient gros ». Dans cette histoire, un petit poisson gagne le concours du plus gros poisson. Lis ces mots importants avec moi. Gros. Haut. Gagner. Petit. Nous avons besoin d'un gros poisson. Nous pourrons gagner avec lui. Ce poisson est petit. Nous ne gagnerons pas avec ce petit poisson. Remplis le bocal et mets le petit poisson dedans. S'il devient gros, nous gagnerons. Le petit poisson a besoin de cela. Et il deviendra gros et nous gagnerons. Yum, 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 yum. Maintenant, le petit poisson est devenu gros, mais il ne va pas bien. Ce gros poisson a besoin d'être dans l'eau. Il se sentira mieux après. Maintenant, ce poisson est gros et va bien. Allons-nous gagner avec lui? Ce poisson est gros. Qui va gagner? Nous avons gagné avec ce gros poisson. Les frères Koala et Messieurs Kangourous ont fait bien des kilomètres pour te faire connaître. La lettre K, sauras-tu retrouver où? Les koalas se font des bisous. Le kangourou. Le cacatoès. Le kiwi est un fruit délicieux. Oula! Je suis Fred le singe. Veux-tu m'aider à ramasser des glands en prononçant des mots? Dis le mot... Pluie. Clique sur le mot... Pluie. Pluie. Dis le mot... Mouiller. Clique... Mouiller. Dis le mot... Graine. Graine. Zut! Regarde donc toutes ces cacahuètes. Nous allons trier ces cacahuètes d'une façon particulière. Clique sur le gros gland. Si le mot se termine par... Oul. Soleil.
Clique sur le mot. Main. Main. Merci pour ton aide. Le titre du livre 29 est « Qu'est-ce que cette graine ?» Dans ce livre, Fred et Billy plantent une graine mystérieuse. Laissez-moi un portant avec moi. Main, terre, graine, herbe. Regarde la graine que j'ai dans ma main. La graine est-elle dans ma main gauche ou est-elle dans ma main droite? Nous allons nettoyer la terre, puis nous allons planter la graine dans la terre. Billy, il y a trop de mauvaises herbes sur cette terre. Nous allons planter la graine ailleurs. Tiens la graine, je vais planter la graine dans le sable. La graine a besoin de soleil. La graine a besoin d'être arrosée. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? C'est la graine ou une mauvaise herbe? Qu'est-ce que c'est? Verra-t-on des chapeaux dessus? Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre, c'est un noyer. Le titre du livre 30 est « Sous la pluie ». C'est une histoire sur la pluie, la boue et les amis d'Annie. Laissez-moi un portant avec moi. Tombe, mouille, rencontre, pluie. Il pleut, la pluie tombe et me mouille. J'ai besoin de ce chapeau. Annie court, puis elle rencontre Mimi. Regarde la pluie qui tombe. Je suis mouillée. J'ai besoin de ce chapeau. Mimi est avec Annie. Est-ce que la pluie tombe sur elle? Non. Puis Fred les rencontre. Il est mouillé et il court vers elle. Annie, la pluie tombe sur moi. Je suis mouillée. J'ai besoin de ce chapeau. Fred est avec Annie et Mimi. Puis Sam est mouillé. Il court vers eux. Alors Annie tombe, Sam tombe, Fred tombe. Mimi tombe dans la boue. Annie est assise dans la boue. Regarde le soleil. Le soleil va nous sécher. Sur l'île magique poussent les iris. Mimi, la souris, sera ton amie pour trouver au milieu des ibis tous les mots qui commencent par I. Un igloo. Un ibis. Les iris. Idéal et inusable. Oui, splendide. Bienvenue à Poissonville. Je suis Floc le poisson, ton ami. J'ai faim. Oh oui. Dis le mot était. Était. Gloom. Oh oui. Dis le mot dra. Dra. Gloom. Oh oui. Dis le mot neige. Neige. Gloom. Oh oui. Ah. Et voici la course des escargots. Vous êtes prêts? Et on dit oui! À vos marques, prêts? Clique sur les mots pour faire avancer les escargots. Le mot est... Non, non. Bon travail! Le mot est... Mince, mince. Oh ouais! Le mot est... Tâche, tâche.
Bien joué! Le mot est... Terre. Terre. Bien joué! Le mot est... Mouillé. Mouillé. Bien joué! Le mot est... Frappé. Frappé. Bon travail! Le mot est... Rencontrer. Rencontrer. Bon travail! Le mot est... Neige. Neige. Bon travail! Le mot est... Boue. Boue. Bien joué! Le mot est... Pluie. Pluie. Bon travail! Le mot est... Graine. Graine. Tu as gagné! Hey, toi le lecteur, tu es prêt? Je ne t'entends pas. Oh! Attrape le mot... Était. Était. Gloom. Oh! Attrape le mot... Herbe. Herbe. Gloom. Attrape le mot... Méchant. Méchant. Gloom. Bon travail! Oh non! Le titre du livre 31 est « De la boue sur le drap ». C'est une histoire sur la saleté et la boue. Lis ces mots importants avec moi. Secoue, touche, sale, dent. Ce drap est sale. Je vois de la boue dessus. Billy secoue le drap. Y a-t-il encore de la boue sur le drap? Oui. Billy secoue encore et encore le drap. Puis Sam rencontre Billy. Annie court vers Sam et Billy. Sam, Annie et Billy secouent le drap. Puis le drap tombe sur eux. Le drap est tout sale. Fred court vers le drap sale. Puis Fred rencontre Annie, Sam et Billy. Annie met le drap dans le puits. Il tombe dans le puits. Le drap est mouillé. Touche ce drap, Sam. Est-il encore mouillé? Regarde le soleil. Maintenant, le drap n'est plus mouillé. C'est amusant. Le titre du livre 32 est « Des bons hommes de neige ». Dans cette histoire, Fred frappe Mimi avec une boule de neige. Lis ces mots importants avec moi. Bons hommes. Boule. Content. Méchante. Tu vois la neige? Cette neige est tombée. Asseyons-nous dedans. Mimi, remplis ce chapeau avec des boules de neige. J'ai frappé Fred. J'ai été méchante. C'était amusant. Je frappe la méchante Mimi. Mimi, tu n'as pas eu mal. C'était amusant. Mimi, regarde le bonhomme de neige. Est-ce qu'il sera gros? Nous avons besoin d'une noix. Fred, mettons cette noix sur lui. Les bons hommes de neige ont besoin de pieds. Ils ont aussi besoin de chapeaux. Tu vois les bons hommes de neige? Nous avons bien travaillé.
Le soleil va faire fondre les bonshommes de neige. C'est triste. Regarde la neige tomber. Les bonshommes de neige vont être contents. Ce rideau est splendide. Suis la route des histoires à lire et va dans la maison de jeu pour jouer. Tu as bien travaillé. Tu as franchi une porte vers de nouvelles aventures au cours de ce voyage au pays de la lecture. V pour volcan violet. Voici la vallée des volcans violets. Au pays de la lettre V, sauras-tu te retrouver? Vole-y avec vivacité. Le violon. La voiture de la Saint-Valentin. Waouh! La vallée des volcans. Volcans! Salut les poussins! Prononçons donc quelques mots. Dis le mot balle. Clique sur le mot balle. Balle. Dis le mot batte. Batte. Dis le mot autobus. Autobus. Jouons à un autre jeu avec les mots poussins. Réunissons quelques sons pour former de nouveaux mots. Clique sur les œufs pour jouer. Saut. Lay. Soleil. Niche. Niche. Calepin. Calepin. Ne sont-ils pas adorables? Nuage. Nuage. Neige. Neige. Vous me faites fondre. Maintenant, jouons avec les mots. Et trouvons les poussins. Clique sur le mot balle. Balle. Clique sur le mot courir. Courir. Clique sur le mot il. Il. Clique sur le mot batte. Batte. Clique sur le mot son. Son. Clique sur le mot vœu. Vœu. Clique sur le mot frapper. Frapper. Félicitations et à très bientôt. Le titre du livre 33 est Mimi retrouve les méchants. Dans ce livre, Mimi joue au shérif avec les méchants. Lis ces mots importants avec moi. Méchant. Retrouver. Trace. Jouer. Je vais jouer au méchant. Fred sera aussi un méchant. Je vais retrouver les méchants. Est-ce que je vais gagner? Les méchants vont courir. Est-ce que les méchants vont gagner? Ce pourrait être amusant de courir avec eux. Est-ce que c'est Sam? Est-ce que je vais le retrouver? Mimi remplit le chapeau avec de la boue. Est-ce que les méchants vont voir Mimi?
Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapeau? De la boue? Avons-nous de la boue sur nous? Je vois la boue, je vois les traces de pas. Est-ce que je vais voir les méchants? Je vois Sam et Fred. Ce serait amusant de les retrouver. J'ai retrouvé les méchants! J'ai gagné! J'ai gagné! Le titre du livre 34 est « Le vœu de Mimi ». C'est l'histoire du vœu de Mimi lors d'une partie de baseball. Lis ces mots importants avec moi. Balle, batte, vœu, frapper. Regarde Fred, voici sa batte. Fred tient la batte, il frappe la balle. Fred court, regarde ses pieds, regarde la balle. Je veux gagner. Sam tient la batte. Sam, frappe la balle, frappe-la. Sam frappe la balle. Ce n'est pas une bonne frappe. Regarde Nani avec la balle. Je vais prendre la batte. Je vais frapper la balle. Si je frappe la balle, nous gagnerons. Je veux gagner. Mimi frappe la balle avec la batte. Mimi court et court. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Ouah! Auprès du lac de lave brûlant, Léo le léopard lape sa limonade. Il y a bien d'autres rigolades à chercher les ailes dans ce lac clapotant. Voici Léo le léopard. Le lac de lave. Les lilas sont violets. La lave. Auprès du lac de lave brûlant, Léo... Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Jouons ensemble au dévore-mots. Dis le mot... Clochette. Clochette. Dis le mot... Mais. Mais. Dis le mot... Ah. Ah. Salut, je suis Ben, et voici ma fanfare. Hé, hey, mais où sont vos instruments? Je n'ai pas d'instrument, et toi? Je n'en ai pas. En as-tu un? Non. Pour trouver un instrument et rejoindre la fanfare, lis cette phrase. Mimi remplit le chapeau avec de la... Hé, hey, il manque un mot. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Boue. Mimi remplit le chapeau avec de la boue. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Batte. Fred frappe la balle avec la batte. Choisis le mot qui complète bien la phrase. Bus. Sam et Cise s'amusent dans le bus. Salut! Es-tu prêt à jouer avec les mots? Trouve les mots et ainsi tu aideras la fanfare des fourmis. Dévore les mots qui se prononcent... Autobus. Autobus. Merveilleux. Autobus. Croque encore. Autobus. Youpi. Dévore les mots qui se prononcent... Mais. Mais. Ouah. Mais. Croque encore. Mais. Oh oui. Dévore les mots qui se prononcent... Drôle. Drôle. Youpi. Drôle. Oh oui.
drôle. Chouette alors. On s'amuse bien ensemble. Le titre du livre 35 est « Mimi, Sam et Billy ». Dans cette histoire, Sam et Mimi font de drôles de vœux. Lis ces mots importants avec moi. Prêt. Voler. Volante. Fini. Mimi est près du puits. Quel est le vœu de Mimi? Je veux... Je veux voler. Tu as vu ça? Sam, regarde-moi. Je suis Mimi, la souris volante. Je vais faire un vœu dans le puits. Mimi, la souris volante, regarde-moi. Je suis Billy. Je vois une souris volante. Mais qui c'est ça? Je suis Billy et voici Mimi la souris volante. Sam était Billy. Mimi était une souris volante. Billy était avec eux. Et c'est fini. Le titre du livre 36 est « La planche de surf ». Dans ce livre, Sam et Fred sont à la plage et pleurent. Lis ces mots importants avec moi. Planche. Clochette. Ballon. Dessus. Mimi et Fred sont assis sur le sable. Mimi a un chapeau et une clochette. Fred a un ballon. Regarde, Sam. Dit Fred. Je voudrais être sur cette planche de surf. C'est amusant. Dit Fred. Je m'assois sur la planche de surf. Fred est tombé. Il n'est plus sur la planche de surf. Mais on voit ses pieds. Je voudrais être sur cette planche de surf. Dit Mimi. Laissez-moi m'asseoir dessus. Mimi est sur la planche de surf. Mimi est tombée, dit Fred. Mais regarde la clochette et le chapeau. Oula! Est-ce que c'est le chapeau de Mimi? Est-ce que c'est la clochette de Mimi? Sam et Fred sont tristes. Mimi est mouillée, mais elle va bien. Oh! Mimi est assise au soleil. Elle a un chapeau et une clochette. Et elle a le ballon. Au pays où tout est orange, il n'y a pas d'orage, mais des oranges rondes. Rondes comme la lettre O. L'œil. L'œil. L'oreille. Des oranges. Le soleil. Oh, zut! Je suis Fred le singe. Veux-tu m'aider à ramasser des glands en prononçant des mots? Dis le mot... Ben. Ben. Dis le mot... Bus. Clique sur le mot... Bus. Bus. Dis le mot... Drôle. Clique sur le mot... Drôle. Drôle. Oula! Regarde donc toutes ces cacahuètes. Nous allons trier ces cacahuètes d'une façon particulière. Clique sur le gros gland si le mot se termine par... Al. Ah oui!
Sur les fourmis. Regarde-les courir. Regarde, c'est Ben la fourmi. Ben, assieds-toi avec nous dans l'autobus. Alors Ben la fourmi s'assoit dans l'autobus. Ben s'assoit sur la clochette. Sam et Sis s'amusent dans l'autobus. Ben la fourmi s'amuse avec la clochette.
zèbre zigzag dans les allées du zoo. Retrouve ici les mots dont Z est l'initiale. Un zébu. Zanny le zèbre fait des zigzags. La zibeline. Ses fleurs sont des zignas. Bienvenue à Poissonville. Je suis Floc le poisson. Ton ami? J'ai faim. Oh oui! Dis le mot... Lit. Lit. Gloum. Oh oui! Dis le mot... Caché. Clique sur le mot... Caché. Caché. Gloum. Oh oui! Dis le mot... Lui. Lui. Gloum. Oh oui! Ah! Et voici la course des escargots. Vous êtes prêts? Et on dit oui! À vos marques, prêts? Clique sur les mots pour faire avancer les escargots. Le mot est... Caché, caché. Bon travail! Le mot est... Laissez, laissez. Bien joué! Le mot est... Filet. Filet. Bien joué! Le mot est... Alors. Caché. Essaye encore. Alors. Bien joué! Le mot est... Non. Non. Bon travail! Le mot est... Nous. Nous. Bien joué! Le mot est... Triste. Triste. Oh ouais! Le mot est... Sable. Sable. Bon travail! Le mot est... Ah! Ah! Bon travail! Le mot est... Ben! Ben! Bien joué! Le mot est... Dit! Dit! Oh ouais! Le mot est... Oh ouais! Le mot est... Était. Était. Oh ouais! Le mot est... Lit. Lit. Oh ouais! Le mot est... Abeille. Abeille. Tu as gagné. Hey, toi le lecteur, tu es prêt? Je ne t'entends pas. Oh! Attrape le mot. Alors. Alors.
Gloum. Oh! Attrape le mot. Bise. Bise. Gloum. Attrape le mot. Faisait. Faisait. Gloum. Bon travail! Oh non! Le titre du livre 39 est Ben la fourmi. Dans ce livre, l'autobus de Sam reste coincé dans la boue. Lis ces mots importants avec moi. Autobus, rouler, chercher, vite. Sam et Cise sont assis dans l'autobus. Ben la fourmi est avec eux. L'autobus tombe dans la boue. L'autobus ne peut pas rouler dans cette boue. Billy peut nous aider. Sam, Sis, restez dans l'autobus. Dit Ben la fourmi. Je cours chercher Billy. Ben la fourmi voit Billy. Billy, Billy, l'autobus est dans la boue. L'autobus est dans la boue. Viens vite avec moi. Billy court. Ben la fourmi est sur lui. Regarde Billy, dit Cise. Regarde Ben la fourmi. L'autobus n'est plus dans la boue. Maintenant, il roule. Le titre du livre 40 est Bise l'abeille. Dans cette histoire, il y a une sacrée abeille. Lis ces mots importants avec moi. Lis. Abeille. Cache. Bise. Sam, Sam, je vois une abeille. Bise l'abeille se cache dans le lit. Est-ce que Sam va l'attraper? Regarde, c'est Bise l'abeille. Est-ce que Bise va entrer dans le filet? Je veux que cette abeille entre dans ce filet. Fred se cache dans le lit. Bise l'a-t-elle vu? L'abeille se cache dans le lit avec Fred. Bise n'est pas dans le lit. Elle se cache dans le chapeau. Fred, est-ce que Bise est dans ce chapeau? Regarde, Fred, Bise est dans le filet. Je suis dans mon lit. Fred est dans son lit. Bise l'abeille est dans son lit. Un château! Une couronne! Enfin! Enfin j'ai trouvé ma couronne! Qui êtes-vous? Nous sommes les elfes de la montagne au trésor. Gloum. Est-ce votre château? Oui. Avez-vous un roi? Sur la montagne au trésor, le roi est celui qui sait lire. Oh non! Attends une minute. Je suis un lecteur. Je sais lire. Tu sais lire? Oui, je sais lire. Ainsi, c'est mon royaume. Bien, donne-moi la couronne. Non, Sam, ton royaume n'est pas dans ce château. Il est juste ici, dans ces livres. Je comprends. Mon royaume, c'est le monde de la lecture.
Dans mon royaume, j'ai la plus belle couronne qui soit.